tous, ici c'est Nikosov. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le troisième épisode, troisième journée de ce top 14 avec Grenoble. Et ben écoutez, on s'est remis de la défaite qu'on a subie contre Montpellier à domicile. On s'est pris une lourde défaite, du coup on est 11e de ce classement avec 5 malheureux points. Objectif maintenant, on est à domicile et on joue le RCT, très grosse équipe, donc j'ai remanié un peu la sélection, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti pour ce match. Allez, donc Grenoble ici, maillot principal, comment on change les maillots déjà? Ah, changer maillot, non. Ah oui, voilà. Ok, donc on est au stade Mayol en plus, donc ça va être assez compliqué. Je sais pas pourquoi je prends accent, c'est complètement ridicule. Ok, donc on va avoir... Wow. Allez, on a des choses à faire aujourd'hui. On a vraiment des choses à faire. Faut qu'on se bouge, faut qu'on se réveille. Je me positionne bien. Castro Giovanni, Orioli, Emmons, oh, Mazo, Etiudor, Wilkinson, Matito, Abana, Bastawar, Mitel, J. Smith. Une grosse équipe, tous des grands noms. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ok, du côté de Grenoble, alors j'ai mis Laurent Boucher en 2, j'ai mis Bernard en 8, Best sur le côté, Lauré en 9, Stewart en 10, Caminetti d'un côté, Thierry de l'autre, j'ai fait sortir Aitini, même plus sur la feuille de match, Messina en 13, Gegenbecker en 15, le buteur c'est Julien Caminetti et le poteur c'est Gegenbecker. Allez, c'est parti, on va voir avec ce remaniement si on réussit à faire quelque chose. C'est parti. Allez, concentration maximum. Concentration au maximum. Pas d'en avant. Kimlin. Faut pas qu'il soit tout seul. Et voilà, il récupère déjà le ballon. Allez. On récupère ce ballon. Allez. Donc vraiment, c'est limiter les dégâts. Bon, allez. Comment qu'on va faire? Allez. L'arbitre lui cécile de lâcher le ballon. Très bon plaquage. Le troisième ligne expédie le passe court. Allez pour Thierry qui se fait découper. Bon contest. Allez, on récupère ce ballon. Oula, je crois qu'on a fait une erreur. On l'a découpé. Il devrait conserver ce ballon. Essaye de casser le plaquage. Cherche du soutien. Il a envoyé une jolie passe vers l'intérieur. Allez, on découpe. On a récupéré ce ballon. Allez, très bon plaquage. Edwards la transmet. Roots qui fait une passe complètement dégueulasse. Allez, par contre, faut se réveiller, les gars. Et voilà, on a perdu ce ballon. C'est parti. On est sur la défense, là, c'est incroyable. Allez, on fait avancer. Ouf, voilà. C'est comme ça. Il récupère le ballon perdu. Crochet intérieur, il évite le plaqueur. Avec un soutien qui se propose. Hop, on le découpe lui. On a récupéré un peu du terrain. On récupère ce ballon en plus. Pour Messina. On essaye d'une passe intérieure. C'était vraiment au pif, hein, je savais pas s'il y avait quelqu'un ou pas. Allez, en plus on la récupère. Allez, on a des choses à faire. On a vraiment des choses à faire, Lauré. Lauré au centre. Ah,
Mathieu Laurie qui est blessé! Merde! Mince! Excusez-moi! Ah! Ok, bah, on va faire entrer Valentin Courant. Ok. Bon, en priant qu'il soit pas trop blessé, Valentin Courant revient. Allez. Mêlée pour nous. Allez, je suis vraiment concentré là. Battre Toulon sur ses terres, ça pourrait être bien. C'est une très bonne équipe, hein, championne d'Europe, championne du top 14. Évidemment, ce sera très difficile de faire quelque chose. Thierry, Thierry sur le côté, Thierry sur le côté. Thierry sur le côté, Thierry sur le côté. Sur le côté encore. Oh, sur le côté encore. Oui! Oui, les gars! Yes! Magnifique! Magnifique! Fouf! Fouf! Blair Stewart qui marque en coin. Déjà là, c'était chaud pour eux. Après, on a réussi à marquer. Le match n'est pas terminé. Le match est loin d'être terminé et on marque cet essai. Ok. Allez, transformation. Julien, Camille. Nati. Julien Caminetti qui botte bien de loin, hein. C'est lui qui a le record d'ailleurs. Allez, IRL. Nickel. 7-0, si on pourrait marquer après une petite pénalité, histoire de dire que ça pourrait être classe. Oh! Oh là là, ça revient sur l'aile là-bas, ça revient sur l'aile là-bas, je ne sais pas si je vais pouvoir, si je passe, si je vais avoir le temps. Oui! Oui! Oui les gars! Oui les gars! Oui les gars! Oh là là, je suis content. Ou Nicolas est content, ni Galen qui fait une course de 80 mètres. Oh ce trou! Je comprends pas parce que regardez, là il y en a un, il s'est pas bougé. Je comprends pas pourquoi il est pas venu sur mon joueur. Putain, cette gueule. Allez. On va le mettre un peu plus loin parce qu'il a, il peut le faire Caminati donc. Wow. Allez. Ça passe! Ça passe! Ça passe! Nickel. Ouais. Allez les gars, 14-0. 14-0 pour nous. Je suis content. Nicolas, satisfait, satisfait. Satisfait, satisfait. Ok, 14-0 à la mi-temps. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Allez, continue. Maintenant qu'on a un peu d'avance. Roots, Roots. Oh le coup de pied. Oh le coup de pied de Roots. Oh. Allez. Oh, si on peut le récupérer là, sur la sirène. Oh, si on peut le récupérer. Ah merde. Il se jette dessus. Toujours en possession du ballon, je crois. Non, non. Ils l'ont récupéré, bien joué. La récupération du ballon récompense leur gros effort. Bon, je crois qu'on va la mettre en touche, hein, celle-là. Voilà. Je préfère l'envoyer en touche, hein, c'est plus sécurisé. On se sécurise. 14-0. Ça se joue à rien. Hein. On est presque à égalité. Ok. Allez. C'est Gegenbaker, le capitaine de cette équipe de Grenoble, qui va lancer la deuxième mi-temps. Messina qui va essayer de récupérer ce ballon. Il s'est récupéré. Messina récupère ce ballon. Messina récupère ce ballon. Le ballon disponible maintenant. Hunt passe le ballon. Voilà, ça fait découper. Voilà d'autres soutiens. Ça fait découper. On va désaxer, on va envoyer péter. Ah merde, je crois que c'était un gros, il s'est fait démonter. Bon ballon de récupération. Le pressing est bon et la récupération du ballon. Allez Caminati, fais l'effort mon ami. Découpe-le. Finalement plaqué mis au sol. S'ils n'améliorent pas leur défense, ils risquent de perdre le match. Belle passe après contact. Oh oui, nickel. Allez. Ouh, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. On va l'envoyer sur Andrew Farley. Je lui dis de faire une passe.
Sauf que ça n'a pas fait. Voilà. Et découpé. Allez, on récupère ce ballon. Valentin courant pour Messina. Messina qui passe. Messina qui s'est fait reprendre. Ils vont piquer le ballon. Allez, on le découpe. Allez, on continue sur le côté. On continue sur le côté. Best qui a vu. Best qui a vu. Julien Caminati qui sprint. Julien Caminati qui sprint. Julien Caminati qui sprint. Il va au sol pour récupérer ce ballon perdu. On le découpe. Juste devant sa ligne. Et ils impliquent de nombreux joueurs dans ce regroupement. Le troisième ligne cherche un soutien. Lancé. Allez. Encore quelques joueurs au soutien. Passe courte intelligente. Ah non. Ah non. Et il recule. Allez. Le deuxième ligne récupère ce ballon. Et ils n'ont pas pu l'arrêter. Passe en haut, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, on le découpe. Allez les gars. Ça, s'il met des caramels. Là, on fait un bon match. Je trouve que j'ai peut-être trouvé la sélection qu'il fallait. Ça c'est bien, on passe au côté. Pour Julien Caminati. Julien Caminati. Julien Caminati. Et finit par être mis au sol. Quand je saurais faire des rafus, faut que je retrouve le. Non, mon dieu. On va aller peut-être le laisser. Vous avez raison, Eric. C'est mal, lui en fait faux. Et cette fois, il est plaqué. On va devoir faire des changements. Ils sont un peu tous fatigués. C'est normal. Allez. Cette fois, il est plaqué. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Ils ont peut-être bien aussi récupéré le ballon. Jolie passe courte. Oh oui. Il a réussi à passer. Oh non. Il a récupéré le ballon. Assure une passe courte. En tout cas, c'est des gros plaquages qu'il y a. Allez, ça sert à rien. Pas peine de se consumer. Un bon tampon. Jolie feinte de passe. Allez. Chaud patate, hein. Il devrait conserver ce ballon. C'est chaud patate. Il percute. Super plaquage. Allez. Oula, c'était le plaquage du bonheur, hein. N'a pas trop raté de plaquage. Donc ça c'est assez cool. On a bien joué les défenses, tout ça. Julien Caminati. Julien Caminati. Julien Caminati qui a personne pour l'aider. Sur le côté il y a une place. Sur le côté il y a une place. Ça passe. Oh, merde. Non, c'est pas passé. Ah, il dégage en touche, bien bien joué. Allez. Castro Giovanni qui sort à la place de Sheridan. Nous, on va faire quelques changements. Edwards qui est caput. Pilier droit, Chouara. Pilier gauche, Albertus Buckle, il va rentrer aussi. Il est très bon pilier gauche. Et on va aussi changer notre talonneur. Voilà, la première ligne qui passe, reprise du jeu, à 7. Pourquoi j'ai mis à 7? C'était pas 7 qu'il fallait faire. Et on perd le ballon, on perd le ballon. Allez, allez, allez. Le ballon prêt à sortir du mol. Et le crochet essaye de... Allez. Ballon récupéré. On l'a cette balle. On l'a. Elzorski caput. Messina, Messina, Messina. Messina. Ou Bernard. Ah bah non. Je croyais que ça allait passer mais non. Allez. Allez. Non. Oh. Bah je crois que c'est fait. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Apparemment, on était hors jeu. Sur quelle action, je sais pas. Inventé sûrement. Bah, c'est terminé. C'est la 80e minute. Ah non, ça joue. Ils vont faire quoi? C'est une pénalité.
Et il a joué à la main, je savais pas que ça allait jouer quand même. Et bah, si vous voulez jouer, il n'y a pas de souci, les gars. Mon chien qui aboie, nickel. Magnifique. Allez. Ne pas prendre. Mais découpe-moi le ce mec là. Albertus Buckel qui avance. Albertus pris par Valentin Courant. Allez. Ils vont quand même marquer, ils vont quand même marquer. Waouh. Difficile, vraiment difficile. On a mis les barblés, bon. On a raté un plaquage et puis voilà quoi. C'est tout de suite décisif. Bon les amis, en plus il la rate. C'est juste impossible, hein. Tu vas pas me dire que Wilkinson rate ses coups de pompe, hein. Je ne te crois pas mon gars. Ok, bon, on finit sur un bon résultat, 14-5. On allait chercher la victoire à Toulon, très très important. On se rattrape un peu du match qu'on a fait contre Montpellier à domicile, excusez-moi, du petit rototo. Et puis voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Nikosov. Allez, bye.